Ah. La moulette vient de Paname, intouchable comme Verratti ou Mota. J'suis seul raté, t'es sur le bon touche. Slick 7-5, c'est la Champions League. 9-1, c'est la Champions League. 9-2, c'est la Champions League. 9-3, c'est la Champions League. 9-4, c'est la Champions League. 9-5, c'est la Champions League. مساء الخير مشاهدينا، رانا هنا بنادي تينس ببن عكنون باش نكتشفوا الوجه الاخر للضيف ديالنا واللي هو اللاعب الدولي ولاعب مولودية الجزائر امير قراوي. مرحبا بك، بونجور. الله يسلمك، بونجور. ميرسي دافوار بونسي ا موا بور سيت انترفيو. اي بي فوالا امير، vous avez fait médecine en France et si tu n'étais pas footballeur بدون شك كنت حتكون طبيب. Ouais, que j'avais qu'une seule envie depuis que j'étais petit, voilà. Comme j'avais des bons résultats à l'école. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai tout de suite voulu faire quelque chose en rapport avec la médecine. Bon, après, on sait que dans les études de médecine, bon, il n'y a pas que médecin, il y a kiné, il y a dentiste, etc. Mais bon, je voulais vraiment faire médecin et je me suis beaucoup investi. Mais bon, après, le Mektoub a voulu que je prenne un tout autre chemin. Et pourtant, votre belle-mère était contre de faire footballeur, n'est-ce pas? Oui, elle était très, très contre. Mais bon, heureusement qu'il y a la maman, mais il y a le papa aussi. Donc le papa, il m'a encouragé. Ben, voilà, j'ai eu une opportunité de venir ici en Algérie et pour pouvoir jouer au foot. Et voilà, j'ai trouvé cette opportunité intéressante. Et alhamdoulilah, l'Alma m'a permis de me révéler au grand jour et aux yeux des Algériens. Vous êtes surnommé le guerrier Filmouloudia d'Alger. D'où vient cette grinta des Amer sur le terrain? Bah, comment on dit, c'est... Moi, j'appelle plus ça un esprit de compétiteur. Parce que voilà, depuis... Même à l'école, on parlait tout à l'heure des études, etc. J'ai toujours voulu être le premier de la classe. J'ai toujours voulu... À chaque fois que je joue, je veux gagner. Et parfois, c'est mauvais. Même parfois, je suis mauvais. Surtout... Trop agressif, Amel. Ouais, des fois, c'est ça. J'ai tellement envie de gagner. J'ai tellement envie d'être à la hauteur. J'ai tellement... que des fois, peut-être que je dépasse un petit peu les limites. Mais bon, voilà... je pense que les gens qui me connaissent voilà, savent que je suis un type sympa, je suis pas méchant en dehors du foot. Hein. Mais après, c'est vrai qu'au football, j'arrive pas toujours à me contrôler. Justement, en parlant d'agressivité, qui compte fait Steve Canesgoulek Gattuso. Mais l'appellation Hadi qui dit le Mouloudia. Je pense que voilà, Gattuso, c'est un guerrier quoi, sur le terrain. Voilà, c'est comme ce que je disais. Voilà, il est toujours là, il crie, il a la rage, il se donne à fond, etc. Donc, à Sétif, c'est vrai qu'aussi j'avais une autre coupe de cheveux, etc., qui a fait peut-être penser à Gattuso. C'est vrai que les supporters m'appelaient Gattuso. J'étais très proche des supporters de Sétif. Et au Mouloudia, voilà, quoi, elle m'appelle le guerrier. Mais je pense que les deux se rejoignent un petit peu. Donc voilà, je suis content d'être reconnu que ce soit par les supporters du Mouloudia ou par les supporters Sétif. Et même les supporters de l'Alma aussi, qui m'appelaient aussi le Mouharib. Donc franchement, ça me fait plaisir et ça me donne encore plus de force et de courage pendant les matchs pour continuer à me surpasser et à donner le meilleur de moi-même. Parlant de supporters, malgré qu'il y a des résultats, mais les supporters, même chez Djoubiko, les supporters fouillent les tribunes à Amer. Ouais, bah, je pense que c'est surtout sur cette phase retour, quoi. Il est vrai que voilà, la phase aller, on a fait un super parcours, on peut dire un parcours de champion, parce qu'on a pris 30 points à la phase aller. Mais en phase retour, c'est vrai qu'on a il y a eu une coupure de 21 jours. On devait jouer la JSK, ça a été reporté, etc. Donc ça nous a fait, je pense, beaucoup de mal. Je parle du groupe et de l'effectif. Et voilà, on a très mal entamé le début de la phase retour. Amir, vous ne pensez pas que le président Omar Ghalib, il parle de responsabilité. Il a critiqué les supporters, il a tiré sur les ultras. Après, ça s'est retourné sur lui et sur le club. Bon, vous êtes bien avec les ultras, avec les supporters. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, je pense que moi, bon, après, je trouve que, bon, depuis qu'Omar est là, quand même, il y a eu un grand changement, quand même. Au niveau, je parle de comment il gérait l'équipe.
on le voit par les résultats. Là, on est, comme vous dites, on joue sur les trois fronts. Et ça, de son côté, comme il nous le dit toujours, lui, il nous protège. Lui, il fait en sorte qu'on soit dans les meilleures conditions. Et pour ça, je pense que c'est pas toujours facile. Et ça fait que des fois, il faut faire des choses qui déplaisent peut-être aux supporters. Ouais. Et donc, mais je pense qu'il prend à chaque fois, il essaye en tout cas de prendre les bonnes décisions pour l'équipe et pour les résultats de l'équipe. Après, ce qui se passe avec les supporters, comme je vous ai dit, et comme il s'est passé le cas avec Zerdab, ouais. Que, Inch'Allah, à qui je souhaite un bon rétablissement, Inch'Allah. Et ben voilà, Zerdab, il a fait un geste qu'il n'aurait pas dû faire. Les supporters ont fait aussi, bon, ils ont eu quelques insultes, mais après les supporters et les insultes, etc., ça fait, c'est monnaie courante dans le football. Mais voilà, après il a eu une réaction, derrière il a demandé des excuses, il a marqué et puis c'est rentré dans l'ordre. Je pense qu'avec Omar aussi, c'est comme ça, il y a une partie des supporters peut-être qui sont pas d'accord avec sa gestion, mais c'est dans tous les clubs ça. Si on prend les supporters de l'USMA ou là les supporters du CRB, je pense pas que tout le monde soit uni derrière le président, il y a toujours une minorité qui sont contre. Mais bon, ça ne veut pas dire que ces gens-là n'aiment pas le Mouloudia. C'est juste que voilà, ils ont peut-être eu un désaccord ou quelque chose qu'ils ne comprenaient pas ou qu'ils ne voulaient pas qu'ils soient comme ça pour le club. Mais voilà, comme je disais, Omar, il doit prendre des décisions qui sont parfois difficiles. Mais il fait toujours en sorte que ces décisions-là soient dans l'intérêt du club et dans l'intérêt de l'équipe, surtout. Oui, Safhat Mouloudia, nous allons parler du hadith sur le Mountakhab Al-Watani. L'équipe nationale, Amir, le fait que vous avez un statut d'un joueur local, ça vous a freiné chouïa le Mountakhab Al-Watani. Des joueurs, par exemple, des joueurs comme Taider, comme Abid, ce pas des super joueurs. Il y a une place à prendre dans l'équipe nationale. C'est encore un pas au-dessus. Voilà, c'est un palier. Maintenant, il y a des places à prendre, pas que maintenant, pas que dans les postes du milieu de terrain. Voilà, après Abi, Taider, je ne vais pas vous dire que c'est des joueurs moyens, parce que moi, c'est des amis à moi déjà. Après, c'est des très bons joueurs. C'est vrai qu'ils ne jouent pas dans les plus grands clubs européens, mais voilà, c'est des jeunes joueurs aussi. Ouais. Voilà, ils ont tout leur avenir devant eux. Et déjà, bon, Taider est passé par l'Inter de Milan, donc c'est déjà quelque chose quand même. Mais maintenant, c'est vrai que nous, on se bat, malgré c'est des amis, etc., on se bat pour essayer de se faire une place. Malgré, comme vous le disiez, c'est très difficile. On parlait tout à l'heure en coulisses d'un joueur, un exemple en équipe nationale, c'est bien Khatir. Le premier match, et bien Mskin Hargo, il a été gris. Je parlais de ça. C'est vrai que pour les joueurs, comme on parlait d'expérience tout à l'heure, c'est vrai que les joueurs en équipe nationale, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est pas avec une sélection qu'on va pouvoir démontrer toutes nos qualités. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut aussi une certaine expérience du football international. Ouais. Donc je pense que le cas de Belkhitel, on en parlait tout à l'heure, pour moi c'est un super joueur. Quand il jouait à l'Alma, j'en parlais déjà. On parlait même de Sétif le voulait, Lusma le voulait, Mouloudia le voulait. Donc c'était un super joueur avec d'énormes qualités, un jeune joueur. Il est parti au club africain, il fait les beaux jours du club africain, là encore en ce moment. Et c'est vrai que c'était peut-être pas le moment de le mettre, de jouer titulaire directement dans une compétition internationale qui est la CAN, avec des supporters algériens qui sont super exigeants et avec ce qu'a démontré l'équipe nationale ces dernières années, avait beaucoup, 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 beaucoup d'espoir dans cette Coupe d'Afrique. C'était vraiment risqué pour lui, quoi. Et comme je disais, dans cette Coupe d'Afrique, pas mal de joueurs qui sont de grands joueurs en équipe nationale, sont passés à travers. Et quand dans une équipe, c'est un sport collectif le football, c'est pas comme le tennis. Donc quand tu as un collectif où 7-8 joueurs ne sont pas à leur vrai niveau et que tu as un nouveau joueur qui rentre dans le groupe comme ça, il peut pas briller. Malgré toutes les qualités qu'il peut avoir, il ne peut pas briller. Et c'est ce qui s'est passé, je pense, avec Belkhitel. Et j'espère et je souhaite qu'il ait encore une chance avec l'équipe nationale, parce que vraiment, il le mérite. Et puis voilà. Ouais, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais quand il s'agit d'un joueur local, ben c'est tout le monde qui s'acharne sur le joueur. Je te donne un exemple. Roulam en Coupe d'Afrique, il fallait qu'il sorte la balle en touche. Mais il a fait une erreur flagrante. Pourtant, il joue à Napoli. Ouais, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure.
Roulam, c'est Roulam. Voilà, il était déjà. Bon, il est passé par quelques moments difficiles à Saint-Etienne. Il a réussi à rejoindre un grand club qui est Napoli quand même. Et il est titulaire indiscutable pratiquement tous les week-ends. Encore hier, il a fait une passe décisive exceptionnelle. Ça parle de lui dans de grands, grands clubs en Europe. Il a fait une erreur. Aucun grand joueur, Zidane, Ronaldo, Messi, tout le monde fait des erreurs. Messi, il a loupé le pénalty en finale de la Copa América. Mais maintenant, comme on le disait là juste il y a un instant, c'est que Roulam a plusieurs sélections. Roulam a fait une très belle Coupe du Monde, Roulam a fait des très belles Coupes d'Afrique par le passé. Donc voilà, il a fait une erreur. On a parlé de cette erreur, ils l'ont pas marahmouche, ben ça c'est oublié parce que voilà, parce que derrière il va faire des bons matchs. Ouais. Mais c'est ce que devrait avoir le joueur local. C'est comme je parle, c'est pour ça que je souhaite de tout mon cœur que Belkhitel ait de nouveau sa chance en équipe nationale. Parce que certes sur ce match-là il n'a pas pu montrer toutes ses qualités, mais il a d'énormes qualités. Ouais. Voilà, et avec des matchs ou des bouts de matchs. Eh ben, il va être de mieux en mieux, il va se fondre dans le collectif. Et le jour où, comme je t'ai dit, les 11 joueurs de l'équipe nationale qui sont des joueurs exceptionnels, pas que les 11, le groupe entier, on a un puits de joueurs exceptionnels, que ce soit en Europe ou même ici en Algérie, il y a pas mal de très bons joueurs. Quand tout le monde est au niveau, si tout le monde avait été au niveau en Coupe d'Afrique, je pense qu'on avait largement de quoi faire pour gagner cette Coupe d'Afrique. Ouais. Et avec des joueurs justement d'expérience du haut niveau comme Brahimi, comme Mahrez, Ferroudi et j'en passe, et ben nos joueurs locaux peuvent progresser et se mettre facilement au niveau de ces joueurs-là. Ouais. Comme je t'ai dit, on l'a vu avec Bounedjah encore. Bounedjah, il est passé par le Harrach, il est arrivé, malgré qu'il soit au Qatar. Xavi dit le plus grand bien de lui, il est demandé par pas mal de clubs en Europe, mais il joue tous les jours en équipe nationale. C'est-à-dire que malgré que ce soit Slimani qui joue, Slimani, il est au top. Il est beau, mais si demain Slimani est suspendu, blessé ou n'est pas en forme, Bounedjah peut largement le remplacer. Et même d'ailleurs, Mahrez, il était remplaçant en équipe nationale. C'est sûr, mais voilà, c'est comme je disais, Mahrez était un très bon joueur à Leicester. Il est arrivé en équipe nationale. Il lui a fallu quelques matchs pour avoir cette expérience du niveau international. Voilà, il a joué un petit peu le match amical en Suisse. Après, c'est vrai qu'il n'a pas trop joué en Coupe du Monde. Mais derrière, voilà, tout doucement, il s'est installé en équipe nationale. Et c'est une pièce maîtresse de l'équipe nationale. C'est une pièce maîtresse à Leicester. Et voilà, quoi, on a encore vu là, ils ont été en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que le fait qu'on ait beaucoup de joueurs européens qui jouent dans des grands championnats, qui jouent la Ligue des Champions, qui jouent les Coupes d'Europe, c'est un plus pour nous, pour que nos joueurs locaux puissent passer un palier. Et quand je dis les joueurs locaux, je parle du football algérien en général. Voilà, c'est avec ça, c'est en lançant des joueurs. Là, on entend parler souvent aussi il y a des joueurs du Paradou, qui vont faire des essais là, un peu à droite, à gauche. C'est encourageant, c'est motivant pour notre football national. C'est-à-dire que nous, en passant en professionnel, le championnat professionnel, je pense que la fédération avec Raouraoua à sa tête à l'époque, ils avaient des ambitions à long terme, pas juste à court terme. Et je pense que ça passe par, comme tu as dit, lancer un peu plus, donner un peu plus de crédit aux joueurs locaux et avec une certaine une homogénéité avec les joueurs de l'extérieur qui jouent dans les championnats européens, on peut devenir l'Algérie peut devenir un vivier de très bons joueurs qui sont exportés dans les quatre coins du monde. Amer, tu es très fort en tennis. Je ne sais pas si Amer. Donc, nous allons vous dire. Nous allons vous dire le défi avec Amer Qalaw. Ah, c'est out, hein. Amer, c'est out. Je te jure, c'est out. Là, tu vois, j'attends. Là, je te mets un petit ballon et je vais au final aller dehors. Ah, c'est dedans. Ah ouais, c'est dedans. Oh là là, 0, 15-0. Allez, des petits services faciles pour toi, tiens. Hop, ballon lifté.
Et là, je l'attaque au filet. Je l'attaque au filet et je lui remets là-bas. Hop! Faute! Faute! Personne ne guérira deux cas. 40-0. Balle de jeu. Hein. Balle de jeu. Balle de jeu. Ok. Oh, quel service! Oh! Oh là 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 là! Oh là là! Tu l'avais servi, Zubar! Ah, l'entraîneur, regarde! Ça, c'est bien! Et après, j'ai été la chercher! Ah, Amir, je l'ai placé, hein! Je l'ai placé! L'entraîneur de l'équipe nationale, hein! Ça, ouais! Il sert à la cuillère, comme ça! C'est la merde, c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde. Oh, elle était bien, celle-là. Oh là là. Oh oh là là. 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 C'est dans la boîte, ça. Allez, mais allez, ne l'aime pas, ne l'aime pas, ne l'aime pas. Oh! Mouin, ne l'aime pas. Allez, mensage. Ne l'aime pas. Rouhou, ne l'aime pas. Ah, dégueu. Bon, t'as trop de fter, ne l'aime pas. Donc, ah, ouais. Ça, c'est bon, deuxième souffle. Voilà, deuxième souffle, 4-0. Allez, allez, mais allez. Ça joue. Allez, je la joue, je la joue, mais allez. Service à. Ah, c'était bon, c'était bon. Voilà, lâche-la. Oh là 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 là, c'est pas possible. Mais que le bras Burki. Ah, je suis mon bureau à l'extérieur. T'es absent. T'es mort. Ça joue, ça joue. Ça joue. Oh là là. Oh, il a bré le bras, mais le bras, c'est quoi les règles, hein? Ben, mais il kiche, Burki. Allez, l'ab. Oh, je vais sauver l'honneur quand même. Attends, c'est à moi de servir. Qu'est-ce que tu fais, gros? L'arbitre, là-bas, on l'a pas vu. Meet. Hop. Allez. Voilà, bien joué. Oh, ça, il est mort. Oh là. Allez. Oh. C'est bon. T'as gagné. Tiens. Eh ben moi, je suis fair play, Amir. Félicitations. Un prix mérité. Non, Roland Garros. On a tennis ben avec nous, mais c'est notre travail. Ah oui, c'est normal, c'est pas. Tu devrais postuler pour Roland Garros, ça. C'est bon. Et dans le مقابله خلاصت, déjà on était نحس les courbatures, amen. Bon, il y avait un petit écart de niveau, فرق صغير في المستوى, mais انا نعترف بالهزيمه, je suis fair play. Madame نحس les courbatures, لعبنا 10 minutes, ما كان l'adversaire قوي بزاف. On va finir par un quiz. Un quiz, qui est le plus? Saha, qu'on dit. Qui est le plus ambianceur de l'équipe? Le plus ambianceur? Ah, film ou non? Cherchez. Ou non? Ouais, Fouzi. C'est lui à chaque fois. Même qui n'est pas au Falcar ou là, c'est lui qui met l'ambiance, c'est lui qui. Puis sur le virage après chaque victoire, il fête la victoire, mais les supporters. Même l'entraînement, il met de l'ambiance, tout. Ouais. Je vous ai vu tennis ballon sur le dernier hall, l'entraînement. Ça, ça qui est le plus classe et le plus élégant? Je vais vous donner un exemple. Comme il y a un match, il y a un joueur qui est là, il dit gel, je connais. انا سيريو الغاشي كاع داخل التيران وانا بجل عمر كيفاش تفاهم شفتو كيكون ماتش تيليفيزي هادي باينه هادي ماتش تيليفيزي تلقى الحاله كاع سيتو اللي لعبتو في ثوره صح قول لي امين
Qui est le plus technique, Flick? Le plus technique? Vous l'appelez le joueur le plus technique, il a quand même. Bon, le plus technique de notre équipe, bon, je pense qu'il y a quelques individualités quand même. Mansouri, il est vraiment, vraiment, vraiment pas mal techniquement. Ah ouais. Après, bon, on a ouais, les fins de corps, les sur les petits périmètres, etc. Ouais. Après, voilà, on a d'autres joueurs techniques. Bon, ah ouais, du Gourmi, ouais. Les joueurs quand même sont pas mal techniques. Gourmi, c'est beaucoup plus en vitesse. Ouais. احنا نحب نقولوا كي نلعبوا تنس بانو خصنا نلعبوا لا تكنيك سي دراجه لا تكنيك كما يضرب على الدور لا تكنيك قول لي كي لو بلو شامبلور في ليكيب غورمي غورمي حشود سي دي موفي بارو نو شامبرور شامبرور ils aiment trop chambrer صح قول لي لو جوال اللي مع سو لو تيران qui est plus bzaf dur ou physique. Il pas que les bzaf et c'est vraiment que ça tape. Ça tape. Ouais. Bon, les duels avec Koudri, c'est pas mal quand même. Ah oui. Ouais. Ah oui. Moi, Koudri, c'est pas mal quand plus, même. En plus, Amada. Amada, ouais. Il est dur aussi. Il joue contre Al-Harraj, contre lui, etc. Qui d'autre? Qui d'autre, ouais, c'est les plus marquants, on va dire. Saha, le joueur, les meilleurs films le plus, les a un style vestimentaire, le gear. Le plus grand mangeur de l'équipe. Ben. Bon, à tout. À la balle, les joueurs de Mouloudia, ils savent où aller à la balle. Rachid Bouhanna. Ni gars, y'a quoi là. يقول لك لي قاي كلها ميم حاجه ما يعرفهاش هكذا كي يشوفها بالك تقدر تاكلها ياكلها وفي الطياره واش دار في الطياره في الطياره الى مونجي قبل الديبار من بعد طلعنا الطياره كان راقد هذا وين رقد جابوا له روبا ناض هاك بعينيه وياكل عندي لا فيديو هنايا بصح عندنا دو مونجور دو فاصون هو و aussi de Moufani et Chiakoun. Ah oui, de Moutani. Nos deux défenseurs centraux. En plus, Ramadan Abdjaye. Bon, on a dit que Ramadan Karim, le chef jazaïri, ou l'Umma l'Islamia, Ramadan Rahoua al-Abouab, Kalima, le chef jazaïri. Qu'est-ce que je veux leur dire, Anna? Je souhaite un bon Ramadan à tous les musulmans. Merci. Bon, déjà, à tous les musulmans dans le monde entier. Ça m'a fait. في العالم كاع المسلمين ان شاء الله صحه رمضانكم صوموا بالصحه والهنا وخاصه الشعب الجزائري والشعب الجزائري اللي يتبع بوكو بلوس يتبع كره القدم نتمنى فوالا نتمنى هذا الشهر يجوز بالصحه والهنا وان شاء الله يقبل يتقبل من ربي سبحانه صيام والاعمال ان شاء الله وبارك الله فيكم اخي انت ما يغلبكش رمضان امين جامي ما تزعفش ما انا في رمضان نلعب ماتش سخانه تنس حبيت تنس جورني كومبلي مليحه في السهره جيبوا قلب اللوز لا سما رمضان واحد يتمنى سما بون كاع على بالنا وكاع نحسوا بهذيك كي يروح رمضان شغل فيد هذاك البركه هذيك بصح شوف بالخوف يولي صح نقولوا رمضان سخانه وكلش بصح كي نعودوا في رمضان ما نحبوش يخلص صح امير الحوار كان معك شيق سايتين بليزير نشكرك على الحضور ديالك وكي لبيت الدعوه يعطيكم الصحه انتم على الانفيتاسيون وان شاء الله راني حاضر ان شاء الله كون فولي نشكرك وانت تنس كون تو فو خلاص داكور سان ماتش كون جبت لي سبور اللي تعرف تلعب فيه شويه اون فا ريفليشير امير نشكرك امير نشكركم مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعه ابقوا اوفياء لبرامج قناه زي ار تي في والى اللقاء